Eh bien, salut tout le monde, c'est Blon, on se retrouve pour Homefront, et donc on s'était arrêté ici. C'est parti, on se regroupe. Les canons anti-aériens qui clouent nos appareils au sol se trouvent derrière cette porte. C'est maintenant ou jamais, ici, mettez le paquet. Ok. Reculez, on ouvre les portes. Neutralisé, dirigez-vous vers la plateforme. Dans la cour, problème de munitions sec. Détruisez-les.
Les caves étaient court de jus. On rentre à la base. Faut qu'on foute le camp, maintenant! C'est moi qui conduis. Jacob, occupez-vous du canon. Descendons de ce pont. C'est parti! Qui contre-mesure ? C'est parti ! On l'a eu! Ici Connor Morgan. Colonne de blindés ennemis en approche par le sud. Demande frappe aérienne immédiate à l'entrée du pont. Négatif. Frappe aérienne refusée. Vous devez les buter maintenant! Les unités alliées sont trop proches. Oh, fais chier. Warpass, ouvrez le feu sur ma position! Qu'est-ce que vous faites? Repérez la fusée éclairante! Larguez votre plus grosse bombe sur cette putain de fusée éclairante! Affirmatif, frappe aérienne en non, approche. Non, Connor, attendez! Chef d'escadron, confirmez l'identification visuelle. Eagle 1 a localisé la fusée éclairante. Paquet largué! Connor, quelqu'un le voit? Connor! Vous écoutez Europa News en direct de Londres. Selon le réseau clandestin Voix de la Liberté, les combattants de la liberté américains ont rejoint l'armée des États-Unis pour mener une offensive importante sur le pont du Golden Gate. Cette attaque coordonnée est susceptible de marquer un tournant décisif dans la guérilla américaine contre l'occupation coréenne. Pendant ce temps, le Conseil européen de défense a convoqué une réunion d'urgence pour parler du soutien à apporter à nos alliés outre-Atlantique. Bon, et bien voilà, les loulous, on a terminé Homefront. Alors, ce jeu, comment dire, parce qu'on va pas lui donner une note, hein, vu que c'est un vieux jeu qui date de 2011. Alors, graphiquement, pour l'époque de 2011,
C'était plutôt sympa. Bon, pas ouf non plus, parce qu'en 2011, malheureusement, il y avait plus joli. Mais au niveau des détails dans le design et tout, c'est plutôt très très agréable, voire très sympa pour l'époque. Hein, donc, faut savoir que c'est Unreal Engine, le 3, et ça rend plutôt bien. Ou sinon, au niveau de la durée de vie du titre, elle est plutôt courte, tout ça. Mais après, il faut savoir que le jeu avait également un côté multijoueur. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Qui ressemblait en gros, ça, c'était un genre de Call of Duty like. Où vous prenez des balles plus facilement, quoi, et vous mourrez beaucoup plus vite. Mais c'était ce style-là. Voilà, au niveau de la bande-son, bah, elle est plutôt bonne. Au niveau du scénario, il est bon aussi. Il a été écrit par Milus, qui a écrit également Apocalypse Now et L'Aube Rouge. Si je me trompe pas, c'est bien lui. Donc voilà, plutôt bien écrit ce scénario, même si il y a quelques inepties de temps en temps, voilà, de la part des doubleurs. Mais c'était plutôt sympa au niveau de l'histoire. Contrairement au gameplay, le gameplay qui malheureusement est mauvais, hein, vraiment pas terrible en fait. Si ce n'est que vous, en gros, vous passez tout le jeu à attendre qu'on vous ouvre les portes, à faire toujours la même chose. Sauf vers la fin du jeu où là on vous dit, tiens, t'as vu, il y a un hélicoptère, c'est magnifique et tout. Et là, ça commence à changer, à varier au niveau du gameplay. Alors, ce que je regrette également, c'est au niveau des touches. Genre, quand vous arrivez en hélico, on vous dit pas, bah voilà, vous contrôlez l'hélico en même temps que vous tirez. Ça, on vous le dit pas que vous pouvez, genre, ZQSD, tout ça, en plus, etc. Donc, un peu déçu là-dessus. Ils auraient pu rajouter de temps en temps qu'il fallait appuyer sur un truc, ou etc. Mais ils ne l'ont pas fait. Après, que dire d'autre? Bah, rien d'autre de spécial. Hein, donc, je suis content de l'avoir fait. Parce que j'aime bien faire tous les jeux. Même si ils sont plutôt médiocres ou pas. Pour justement en parler après avec des gens ou tout ça. Et savoir... ce que j'ai pensé, ce qu'ils en ont pensé. Donc voilà. Et bien c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Je pense que j'ai vraiment tout dit. Donc les loulous, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain let's play. Bye bye.